promote this identity. Ce que vous dites. So what you say. D'accord. I'm totally in agreement. Et nous disons. And we say. Tous les Congolais doivent connaître l'histoire de leur pays. All Congolese must know the history of their country. L'histoire des empires et royaumes du Congo. The history of the empires and the kingdoms of Congo. L'histoire de l'esclavage. The history of slavery. De la colonisation. Of colonization. Le cheminement de Simon Kimbangu. Simon Kimbangu's journey. La lutte héroïque et douloureuse pour l'indépendance. And the hard-fought work for independence. Les soubresauts de nos institutions politiques. As well as the underlayings of our political institutions. Et les différentes agressions que subit notre pays de la part de certains pays voisins. The different aggressions our country is facing through neighboring nations. Je vais pas tout lire, mais je vais terminer par ceci. I will not read it all, but I'll close by this. Nous allons créer une nouvelle gouvernance culturelle. We will create a new cultural governance. Qui sera prise en charge par trois départements distincts. Which will be taken charge by three distinct departments. Département distinct de gestion des affaires culturelles. Of management of cultural affairs. À savoir. To note. Le département du livre. The department of the book. De la lecture et de la mémoire. Of reading and memory. Le département de la musique. Of music. De la danse. Dance. Du cinéma et du théâtre. Cinema and theater. Et toi. And thirdly. Le département des arts plastiques. The department of plastic arts. De l'artisanat et du patrimoine. Artisanal and a patrimonial. Vous voyez, professeur. You see, professor. Avec tout ça. With all this. Ça va nous amener. This will bring us. Dans la discussion et avec tout le monde. In discussions with all parties. Et de voir ce que nous pouvons intégrer dans les nouvelles lois que nous pouvons adopter. And to see what we can bring forward in the new laws that will be adopted. Et je suis totalement d'accord avec vous. I am in total agreement with you. Merci. Thank you. Voilà, nous continuons notre randonnée avec les questions. So we're continuing with our questions. Voilà, nous avons un journaliste. We have a journalist who has a question. On va lui donner la parole. So we'll give the floor to introduce yourself. Pour voir laquelle vous travaillez et votre question. Je vais être ici pour le micro. Our new one, as well as the question. Oui, salut tout le monde. Vraiment, c'est avec grand plaisir d'être ici. Et c'est tout d'être ensemble avec le président élu Martin Falouma Didi. Oui, je n'ai pas à me présenter au président parce qu'il me connaît déjà. Mais à ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ino de la chaîne CNT Live. Yes. La chaîne, bon, je suis professionnel, la chaîne c'est un travail que je fais parce que j'ai l'amour du Congo. The broadcasting network is something I do because I have a love for Congo. L'amour du patrie. Love for the nation. Et ma question est celle-ci. Mais avant de poser ma question, je suis aussi professionnel, je travaille dans une compagnie très renommée que je ne peux pas citer ici pour ma sécurité. So I'm also professional at background and work in a renowned company checking out for security. Alors, voici mes soi-disant deux ou trois questions. Yeah, absolutely. Question. Président élu Martin Falouma Didi, bienvenue. Bienvenue à Toronto. Welcome to Toronto. C'est avec joie de vous voir encore. So great joy that I see you again. Voilà. Vous devriez déjà être vraiment fatigué de cette question parce que tout le monde en pose. Mais étant que Mokambi, la chaîne CNT Live, mes abonnés m'ont demandé de poser cette question. Voilà. Que feriez-vous si le peuple ne s'est levé pas après la publication des résultats des élections en 2023? Ça, c'est la première question. What will you do if the people do not rise after the election results are published in 2023? Et la deuxième question. The second question. Selon votre calendrier, est-ce que vous comptez de visiter Kwamutu dès que vous regagnez Kinshasa? According to your calendar, are you planning on visiting Kwamutu upon your return in Kinshasa?
La troisième et la dernière qui va être scindée en deux. Nous le savons tous que Félix Tshilombo n'a aucun diplôme d'État. Et je n'ai pas honte de le dire. Est-ce que président élu Martin Fayulu Madidi, renforcez-vous l'idée même d'aller avant les élections, d'avoir tout d'abord ce qu'on appelle les débats présidentiels? Et avant même les débats présidentiels, parce que si seulement si Félix Tshilombo présentait un diplôme, nous savons déjà que ça va être un diplôme falsifié. And even before those debates, if Félix Tshilombo presents a diploma, we know that it will be a flawed one. Voilà mes trois questions. Here are my three questions. Et je vous en remercie. And thank you very much. Merci, Nino. Thank you, Nino. Et venez-vous sur le peuple, ne se levez pas après la publication des résultats. What would you do if the people did not rise after the election results are published? Je comprends que vous voulez dire. I understand that you intend to say. Que feriez-vous si le peuple ne s'élevait pas après la publication des résultats qui seraient fabriqués? If what would you do if the people did not rise after the results that are fabricated or tricks are published? C'est le peuple. It is the people. C'est le souverain primaire. They're the primary sovereign. Le travail que je suis en train de faire maintenant. And the work I'm doing right now. Même ici. Even here. C'est de dire à ce peuple-là, vous êtes souverain par l'article 5 de la Constitution. To tell the people that they're sovereign based on Article 5 of the Constitution. C'est à vous. It is your right. De contester, parce que si vous êtes allé voter. It's your right to contest because if you went ahead to vote. Vous avez voté quelqu'un ou des gens, mais ces gens-là ne sont pas sortis et on vous impose d'autres personnes. You voted people or someone and this person is not brought forward and you're imposed with someone else. La Constitution le dit très clairement. The Constitution is very clear on this. Tout Congolais a le devoir de faire échec. Every Congolese has the right to bring, to destroy. À tout individu ou groupe d'individus. Every individual or group of individuals. Qui veut prendre le pouvoir par la force. To bring failure to them if they want to take power by force. Et qui l'exerce en violation de la Constitution. And which is exercised in violation of the Constitution. C'est ça. Donc, alors, si le peuple décide autrement. If the people decides. Qu'est-ce que moi je peux faire? Donc, je vais peut-être constater qu'on n'a pas fait suffisamment le travail d'éduquer ce peuple-là, de lui dire, voilà, quels sont vos droits. If they decide against me, perhaps I may say we did not do our work in order to educate these people, to let them know what their rights are. Mais non, je suis convaincu que ce ne sera pas comme ça en 2023. You know, I am convinced that this will not be the case in 2023. Le peuple congolais est mature. The Congolese population is mature. S'il n'était pas sorti en 2018, parce qu'on ne s'était pas préparé. If they did not come out in 2018, it's because we were not prepared. Cette fois-ci, il va sortir. This time around, they will rise. Si jamais ont volé son ou sa victoire. If their victory is stolen by any means. Dans notre, comment dire, dans nos résolutions, on a pris 30 résolutions au Congrès SID de Kisangani. At the SID Congress of Kisangani, we've taken 30 resolutions. La dernière résolution, la résolution numéro 30. The 30th one, the last one. Dit ceci. Mentions this. Si d'aventure. If by adventure, quelqu'un s'amusait à voler votre victoire en 2023. Someone takes pleasure in stealing your victory in 2023. Vous n'avez pas d'autre choix que de sortir dans la rue. You have no other choice but to go out in the streets. De manifester et de réclamer votre victoire. To manifest and to reclaim your victory. Deuxième question. Second question. Allez-vous visiter Kwamutu dès votre retour? Will you visit Kwamutu upon your return? Kwamutu, j'adresse des messages à la nation depuis que l'affaire a commencé. I've spoken to the nation about this issue since its beginning. À l'ECID, depuis le mois de mai, nous avons institué ce que nous appelons le mardi
sur le point de sécurité au pays. Et today on Tuesdays we have put together what we call security issues for the nation. On en parle donc. J'irai à Kwamotu. Concerning Kwamotu. Donc j'irai à Kwamotu. I will go to Kwamotu. Alors les débats présidentiels. So the presidential debates. Ça devait faire partie de la loi électorale. This should be part of the electoral law. Moi, j'aimerais avoir des débats présidentiels. I would love to have the presidential debates. Des débats des candidats qu'il faut qu'ils viennent, qu'ils disent au peuple, aux Congolaises et aux Congolais, qu'est-ce qu'ils vont faire, chacun d'eux ou chacune d'elles. Debates among candidates that are able to tell the Congolese population what each of them plans to do. Moi, je suis prêt. I'm ready. Et donc, le manifeste, c'est déjà ça. So the manifest is part of it. En 2018, j'ai eu un programme. In 2018, I had a program. Qui s'intitulait Investir dans les citoyens pour développer la RDC. Which was called Investing in the Citizen in order to develop DRC. Avec un programme de 100 jours. With the 121-day program. Qui s'est concentré surtout sur la sécurité au Congo. Which was especially focused on security in Congo. Et dans ce programme de 100 jours. And in this 121-day program. J'avais dit que j'allais déplacer les camps Kokolo de Kinshasa à Beni. And I had planned to move Kankokolo from Kinshasa to Beni. Et que j'allais créer une structure au sein des forces armées congolaises. And I would form a structure concerning the armed forces, the Congolese armed forces. Deux structures, la première. Two structures, the first. La structure de surveillance de nos frontières tout au long de l'est de la République. The surveillance structure concerning our borders throughout the east of the Republic. Et deuxième structure. Second structure. Une structure d'alerte. A structure of alert. Et regarder renseignements s'il y a un problème, alerter. And to have a security system where we have information if there's an issue, then we are alert. Et dans les 100 jours, on devait renforcer l'armée. In the 120 days, we had to reinforce the army. Armée bien formée, bien entraînée, bien équipée. Well-trained army and well-equipped army. Voilà ce que je dis. This is what I say. Et dans les manifestes, vous allez lire aussi sur l'intégrité du territoire, sur la pacification du pays. Qu'est-ce que nous proposons? In the manifest, you read about the integrity of the territory and the pacification of the nation, and you will see what we say concerning these. Merci. Thank you. Merci, on peut applaudir. C'était une très bonne réponse. Thank you, if you can clap, it was a well said answer. Alors, nous allons prendre la prochaine personne tout en rappelant que, vu que nous avons un service de traduction en anglais, donc il faut réduire la longueur des questions pour que, mettons un dénominateur par deux à toutes les questions, on aura des questions courtes. If you can just shorten your answers to your questions, sorry, because we are translating. You're doing great, oui, Mr. President. Oui, bonjour, moi c'est Ruffin Kiele. My name is Ruffin Kiele. Oui, je suis vraiment très très content de voir président élu Martin Fayulu. I'm glad to meet President-elect Martin Fayulu. Mais la question est vraiment très courte. Je My question demander, is brief. Auprès du président Martin Fayulu à propos de l'élection, mais j'aimerais mieux parler ça en Lingala. I have a brief question concerning the elections ça. And I will speak in Lingala. Président, je sais que Oyebi. Je sais que vous savez toutes les erreurs qui ont été commises aux élections passées. Et je sais que vous avez pris des précautions concernant ces erreurs. Tout président qui vient au Congo est nommé par les Blancs. Ça, vous le savez. Maintenant, là, toujours qu'une élection, il y a 2023. Là, nous allons vers les élections de 2023. Tous les Occidentaux ont ouvert les yeux concernant le candidat que eux veulent choisir. Maintenant, la précaution est là, aux autres, le peuple va vous l'amouka, va kende, que ça va pour un résultat. En cas où, Mindele va nommer Moutounabango, le peuple a bimi. De tomber dans le même problème toujours qu'il y a élection passée. Et vos résolutions y concernant, et si par exemple il y avait un candidat qui était choisi par
les Occidentaux et que le peuple devrait se lever et nous nous retrouvons dans la même situation que la fois passée. Président, qu'est-ce que Okosala pour aux résultats en faveur de nous? Que allez-vous faire, Président, afin d'avoir un résultat en votre faveur? Question en anglais. Voici ma question. Na répondre à Lingala bien que langue non se passe sur le baranos. Voilà. So le président will answer in Lingala and I will say in French. Ah ok, en Lingala, ok. Omoni ndeko na ngai. My brother, you see. Est-ce que na Afrique du Sud ou na Nigeria? Est-ce qu'en Afrique du Sud ou au Nigeria? Est-ce que les Occidentaux qui mettent en place le président? Mais pour nanini namboka wana ba sud-africain bango moko baza ko sala makasi pour baza na président na bango comme ba nigérien. Et pourquoi en Afrique du Sud il se passe afin d'avoir un président au lieu de même comme en nigérien? Président ya Congo akouta na ba congolais. Le président du Congo sera élu par les congolais. C'est le peuple qui est souverain. The people are sovereign. Ya mona biso photo linga yango. Et c'est pour cela que nous devons l'aimer. Ce qui t'a travaillé dans le sens où on a que moto, moto, mon côté a imposé biso makambo biso tolingite. Que personne nous imposera ce que nous ne voulons pas. Et que ça les mende bonangai. Et les choses se feront bien, mon frère. T'as la balle lutte au nion sur ton gagnant dans Boko Haram. Voyez toutes les luttes que nous avons gagnées, remportées dans ce pays. Donc il ne faut pas minimiser le peuple congolais. You should not minimize the Congolese people. Tous alima kasi mais sikoyo leadership forts. Na biso et notre leadership biso nyonso nous tous bino ningi ozaliwa vous tous tels que vous êtes là na tangi makambo ya diaspora oyo kine na lobi. J'ai parlé de la diaspora, avez-vous entendu? Que bino bozali bato bozana ba pays démocratique. Vous êtes ceux qui habitent dans des pays démocratiques. Bote ya pe bandeko batikali na Congo. Apprenez aussi à ceux qui sont au Congo. Na kati awa tolobi susu makambu ya l'élite ou les élites congolaises. Et là nous parlons aussi de l'élite congolaise. Ba vandi na ba zone na bango ba zone de confort. Ils sont dans leur zone de confort. Faut pas la mouka. Ils doivent se réveiller. Ndenge tobi benga ki biso tant toleki na Genève. La Mouka. Tel que nous sommes appelés lorsque nous étions à Genève, la Mouka. Congolais, nyonso, il faut la Mouka. Tout Congolais devrait se lever, se réveiller. Yango wana koya nangai boye inangai ya wa yali po na koyi bisabino. Et voilà pourquoi je suis venu ici pour vous dire que lobby. Que demain. Même pas lobby, banda lelo. Même pas demain, à partir d'aujourd'hui. Il faut boye bisa bato yo baza na mboka bazo kamba mboka oyo. Vous devez dire à tous les dirigeants de ces pays. Boyer bisape bato bovai na bango bato ya mboka oyo. Et les personnes avec qui vous habitez dans ce pays. L'opinion publique ya Canada. L'opinion publique du Canada. Makambozo le kanamboka na biso. Informez-les de ce qui se passe dans notre pays. Dolingi ba élection et ça la crédible, démocratique et ça la bato yo peuple congolais boni bango nde ba bima. Nous voulons que les élections soient crédibles et démocratiques. Nous voulons que la personne qui a été choisie par le peuple congolais qu'il soit le président. Bisonne sous avocat ya Congo. Afin que nous soyons tous des avocats pour le Congo. Ne konanga komikitisate. Mon frère, ne te minimise pas. Tomikitisate. Ne nous minimisons pas. Parce que bato yo bino bozana bango osana bango mingi pe bazana dikonzi na bango bazo kamba bango. Les personnes avec qui vous travaillez, plusieurs sont aussi leurs leaders qui leur dirigent. Et bongo siko to komi na politique baya ba imposer biso makambo. Est-ce que c'est normal? Et venant dans la politique, ils sont là pour nous imposer des choses. Est-ce normal? Est-ce que nous sommes sérieux? Are we serious? Ngai Fayulu. Moi Fayulu. Na banga na Nzambe. Je crains Dieu. Moto azali moto. L'homme reste l'homme. Bato ba pomangi Lumumba, bango ba kufate. Ceux qui ont tué Lumumba sont-ils pas morts? Oyomaye Kimbangu bakufate. Ceux qui ont tué Kimbangu sont-ils pas morts? Mais bato misusu na mboka na bango bakosala makasi pona lokumu na bango pona ko longwa na bowumbu biso ndenge nini tokosala makasi te po tobima na bowumbu wana. Les hommes dans leur pays s'efforcent de sortir de cette emprise et pourquoi pas nous? Soko zongi na ndako lelo tangela ngai discours ya Lumumba ya le 30 juin. Lorsque vous allez rentrer à la maison, lisez pour moi le discours de Lumumba de 1960. Si Lumumba, Kasavubu, Abolikango, Bato Nyonso Bazaleki Wana, Natangwana Basali Makasi Pona Kodali Panda. Si Lumumba a
Kassavu, Bolingambo, toutes ces personnes qui étaient là se sont battues pour acquérir l'indépendance. Et nous qui sommes là, nous avons étudié, eux ils n'ont pas étudié avec les Occidentaux. Vous avez de l'intelligence, pourquoi laisser le pays aller comme ça? Je ne voudrais pas que le nom de Fayoul que mon père m'a légué, que je laisse ce nom à mes enfants afin qu'on se moque de pour qu'ils deviennent des esclaves dans leur propre pays. Et bon, on gagne des tombes, on gagne des profanés, on gagne des bateaux, bino bateau, botique qui bisson à Boumboyo, Tosalibino, n'a pas eu beaucoup de choses. On a profané ma tombe pour dire que vous êtes parmi ceux qui ont laissé ce pays dans un esclavage. Merci, mon frère. Voilà, merci encore une fois pour cette réponse. Ça, c'est vraiment le côté. Alors, on va prendre la question du président de notre communauté, Jean-Paul Edigaï. Bonjour, président Martin Fayoulou. Je viens de me présenter, je suis Jean-Paul Edikaï, le président de la communauté congolaise. I'm Jean-Paul Edikaï, president of the Congolese community. Je vous souhaite d'abord les bienvenus dans cette grande ville cosmopolite. I welcome you in this cosmopolitan city. J'ai deux petites questions. I have two small questions. La première question touche la vision de l'ECID. The first is concerning ECID's vision. Vous avez dit que cette vision s'articule autour de six piliers. So this vision is concerning begging. À moins que je me trompe, vous avez parlé de la citoyenneté. Unless I'm mistaken, you le pacte pour le développement. Development. Vous avez parlé aussi de social libéralisme. And social liberalism. Vous avez touché aussi la réconciliation. As well as reconciliation. La bonne gouvernance. Et les derniers, je crois, c'était la règle gagnant-gagnant. The last one was the win-win rule. Ma préoccupation est autour des deux derniers piliers. My preoccupation is concerning the last two pillars. D'abord, first, les piliers de la réconciliation. The one concerning reconciliation. Quand est-ce que vous allez l'utiliser? Après avoir remporté les élections ou après avoir perdu les élections? When je voulais savoir. Before, after having won the elections or after having lost the elections. Dernier pilier. The last pillar. La règle gagnant-gagnant. The win-win rule. Pourquoi vous l'avez ajouté? Why have you added it? La dernière question. And the last question. C'est une question technique. Is a technical question. Si vous devenez président de la République, if you were to become the president, qu'est-ce que nous allons voir de palpable après 100 jours? What are we going to see that will be tangible? Et s'il arrivait que la ville de la cité de Bunagana est toujours entre les mains des rebelles? And if Bunagana was still in the hands of the rebels, quelle sera votre approche pour pallier à cette situation? What will be your approach to remedy the situation? Je vous remercie. I thank you. Voilà, Monsieur le Président. Mr. President. Et j'ai bien vu que j'ai bien compris que vous avez retenu les piliers de notre programme. I understood that you've memorized the pillars of our program. Vous les avez répétés. Which you repeated. Et vous dites pourquoi la réconciliation nationale, que nous préférons dire la cohésion nationale. And you say why national reconciliation, which we parce call que, national cohesion. Parce que nous disons que le pays, notre pays, est menacé dans sa cohésion interne. Because we say our country is threatened in its internal cohesion. Et je le dis sans peur de me faire contredire. And I say it fearlessly to be contradicted. Si Mobutu, qu'on l'aime pas, qu'on l'a pas aimé. If Mobutu, whether we liked him or not. Il nous a laissé une chose. He left us one thing. S'il nous a laissé une seule chose. If there's one thing he left us. C'est cette cohésion nationale. Is it the national cohesion? C'est cette unité nationale. Is national unity. C'est comme ça notre congrès était basé sur le thème Congo École Moko. And that's why our congress was called Congo One Nation. Donc, vous me dites
Pourquoi cette cohésion nationale, c'est avant ou après, c'est ça? So why this national cohesion, before or after? Cette cohésion nationale, ça c'est quelque chose de tout le temps. It's something that must be maintained at all times. Je l'ai fait maintenant. I do it now. Si vous lisez mes déclarations, if you read my declaration, cette semaine encore, j'ai fait une adresse à la nation sur l'affaire des Kwamutu et des environs. And this week, yet again, I spoke to the nation concerning the Kwamutu issue and the surroundings. Que personne ne vous trompe. Don't be mistaken. Nous sommes les fils et les filles du même pays. We are sons and daughters of the same country. Donc, nous allons travailler. C'est un travail qui doit se faire en permanence. So we must work towards it and we must do it at all times. Chaque jour, nous devons veiller à la cohésion nationale. And every day we must watch to national cohesion. Deuxième préoccupation. Second preoccupation. Pourquoi la règle gagnant-gagnant? Why the win-win rule? La règle gagnant-gagnant, c'est simplement pour être honnête envers le partenaire. It's simply to be honest towards our partners. Que le partenaire soit honnête envers nous. And so that our partners may be honest towards us. Nous disons que vous venez au Congo pour investir. So we say you come to invest in Congo. Nous vous acceptons. We accept you. Mais vous suivez les règles du Congo. But you must follow Congolese rules. Parce que nous allons mettre un état de droit, c'est un prérequis. Because as a prerequisite, we will establish a state of rights. Mais, but, il faut que les Congolais aussi gagnent. The Congolese must also win. Vous ne pouvez pas venir chez nous et vous vous gagnez 80 et nous nous gagnons 20. You cannot come to our country, you win 80 and we win only 20. Et des fois vous gagnez 98 et nous gagnons 2. And often you win 98 and we only take 2. Je vous ai donné l'exemple de, parlons directement de Kolwezi, de Lualaba. I gave you the example of Kolwezi and Lualaba. Mais on exploite les mines là-bas. There's mining taking place there. Quelles sont les conditions de l'environnement dans cette province aujourd'hui? What are the environmental conditions in that province today? Ici, quand on développe. Here, when development takes place. Quand vous allez à Abitibi, Témiscamingue. Yeah, when you go to Témiscamingue. Vous allez, c'est une région minière. It is a mining region. Mais on a développé cette région. But the region is developed. Les gens de cette région vivent correctement. The people in that region live correctly. Si vous allez à Dubaï, if you go to Dubai, c'était une région pétrolière. It was an oil region. Mais aujourd'hui, il y a, je ne sais pas si combien de pourcents les pétrole comptent dans les budgets des Émirats arabes. But today, I don't know to what percent, but oil counts in the budget. Mais ils ont utilisé l'argent du pétrole pour développer autre chose. Of the Arab Emirates, they use the money from oil to develop other things. C'est ça la règle gagnant-gagnant. That is the win-win rule. On peut pas demander aux gens de venir, d'investir leur argent, aussi de leur dire que nous nous gagnons 98 et vous vous gagnez 2. And we cannot also say, tell people, you come invest and you only win 98 and we win 98 and you win 2. La règle gagnant-gagnant. The win-win rule. C'est, je sais pas si vous connaissez la théorie des jeux. Pour ceux qui ont fait la théorie des jeux, il y a plusieurs systèmes de jeux. I don't know if you know the theory of games, but there are many systems of games. Et nous allons, il y a un jeu qu'on appelle le jeu coopératif. There's a cooperative game that we call. Et c'est ça le jeu que nous voulons. On discute. That's what we want. We discuss. On établit les règles du jeu. We establish the rules of the game. C'est connu de tout le monde. Known by all parties. Et on décide. And we make decisions. On n'exploite personne. No one is exploited. Il y a les terminologies qui disparaissent comme ça parce que peut-être les gens sont fatigués. The terms that disappear because people are tired. À l'époque, on disait, il y a une terminologie, on disait l'exploitation de l'homme par l'homme. And at the time, we would say exploitation of men by men. En tout cas, les gens de mon âge se rappellent très bien. People from my generation remember this very well. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. And that's what we experience today. Les Congolais et les Congolaises sont exploités à souhait. Congolese men and women are exploited even by their own wish. Comment voulez-vous et comment comprendre? How do you want to understand? Que les premiers pays producteurs du cobalt. The first nation producing cobalt. Le coltan. Coltan.
qui a le lithium dans son sol, has lithium in its soil, qui a la forêt tropicale, that has the tropical rainforest, qui a des tourbières, and the turbulence, et que ce pays-là soit le cinquième pays le plus pauvre du monde en réalité, matériellement. The poorest nation materially. Il y a un problème. There is a problem. Ce problème-là, il faut chercher la cause d'où ça vient. And the cause of this issue must be found. Si Bunagana est toujours entre les mains des Rwandais, je le dis très clairement parce que c'est entre les mains des Rwandais. If Bunagana is still in the hands of the Rwandese, I say it clearly because it's still in their hands. En tout cas, je ne le souhaite pas. I don't wish it. Je travaille, je demande à mon peuple, je demande à tout le monde, nous devons travailler pour récupérer Bunagana le plus rapidement possible. I work hard and I ask all the nation that we work together to reclaim Bunagana as quickly as possible. Si c'est toujours entre les mains des Rwandais, je n'ai pas renoncé à mon programme de 100 jours que j'avais proposé en 2018. If it's still in their hands, I've not renounced to my 100 days program which I spoke to in 2018. Le camp Kokolo sera déplacé à Beni. Camp Kokolo will be moved to Beni. Beni, c'est pas loin de Bunagana. Beni is not far from Bunagana. Nous allons ratisser toute cette zone. That whole zone will be reformed. Avec la puissance, la volonté, la détermination des Congolais. With the power and the will from Congolese determination. Nous allons mettre à contribution tout le monde. Everyone will be put to profit. Et avec cette ferveur. And this fervency. Nous allons gagner. We will win. On va combattre les ennemis du Congo. We will fight against the enemies of Congo. Il n'y a pas d'excuse si quelqu'un vous cherche la mort et vous allez dire que bon voilà qu'ils viennent qu'ils me tuent et je me laisse faire. There are no excuses. You will not allow someone to kill you just and allow them to do that. Non, on ne peut pas être aussi faible qu'on est aujourd'hui. We cannot be as weak as we are today. On est la risée du monde. And we are despised by the world. On est devenu la risée du monde. We've become the despised of the world. Quand j'étais étudiant à Paris, when I was a student in Paris, il y avait une certaine fierté. There was some pride. Quand j'allais dans la salle des travaux dirigés, when I would go to a directed work, et quand je venais, les amis africains m'appelaient, au lieu de m'appeler parce qu'on avait les noms authentiques, Madidi Fayoulou. Il me disait Kakoko, Kibongé, Kalala, Kidou. Ils connaissaient les noms, mais c'était une fierté. Yeah, they would call me by other names than my own name, but they did it with pride. Aujourd'hui, certains de nos enfants ont même honte de dire qu'ils sont d'origine congolaise. Today, some of our children are ashamed to say that they are from Congo. Monsieur le Président, on doit arrêter ça. Mr. President, this must stop. C'est le travail de nous tous. This is the work, our collaborative work. Décidons que nous tous ici, avant qu'on quitte ce monde, qu'on voit les Congos libres, les Congos forts, les Congos dignes et les Congos prospères. Let's all decide that before we leave this world, we want to see the country free, that it's worthy and prosperous. Voilà, nous allons prendre la prochaine question, mais j'aimerais dire quelque chose nettement. Nous n'avons pas beaucoup de temps qui nous reste. So we don't have much time left. Alors nous allons diviser sagement ces temps qui nous restent. Donc nous allons prendre 5 dernières questions. Et les 5 dernières minutes sont réservées au président pour dire le mot de la fin et tout. Mais je prends 5 questions. We'll take 5 last questions and then the last 5 minutes are reserved for the president to give the closing remarks. Okay. Alors, Kamamoun, une dame, vas-y madame, et puis Kamamoun, quoi. Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle Charlène Moulatrice. Good evening, Mr. President. My name is Charlène Moulatrice. C'est un plaisir de vous revoir face à face. It's a pleasure to see you again face to face. Je vais poser ma question en anglais, par contre. Parce I will ask my question in English because I'm more comfortable. Anglais. So my first question is just to sort of see what you think of the educational policies put in place by our current government. Ma première question concerne les règles, les lois de l'éducation qui ont été mises en place par le régime présent. Entre parenthèses, la gratuité. And in quotes,
gratuity. Puis, my second question is, what do you intend to put in place, or what policies do you intend to put in place in terms of education to make sure that our educational systems in Congo sort of reach the levels that they are here in Canada or elsewhere? Ma deuxième question est, quelle loi planifiez-vous de mettre en place afin que notre système d'éducation puisse être au niveau des Occidentaux? Voilà, ma demoiselle. Yes. Et ce que Monsieur Félix Tshisekedi fait, Monsieur Félix Tshisekedi fait, c'est tuer l'éducation. Is to kill the education system. Nous, l'éducation, c'est la première priorité. For us, education is our first priority. Peut-être qu'elle comprend bien l'anglais, répondre en anglais, et puis elle va le traduire. Ah, ok. Bon, as she asked question in English, he want me to reply in English. She can translate. Je vais interpréter en français. Police, Félix Tshisekedi has killed education in our country. Félix Tshisekedi a tué le système d'éducation de notre pays. The gratuity is mentioned in our constitution. La gratuité est mentionnée dans notre constitution. But you cannot have a gratuity and have a classroom with 200 youth. On ne peut pas avoir la gratuité avec une classe remplie de 200 élèves. It's not normal. Cela n'est pas normal. All the money they are stealing over there. Tout l'argent qui est volé. The money they are paying to the MPs. L'argent qui est payé aux députés. They could have built classrooms. Vous pouvez utiliser cet argent pour construire des classes. They could have constructed the schools. Vous pouvez construire des écoles. For that. Avec ça. But you have to know that the gratuity even doesn't exist. Vous devez savoir que la gratuité n'existe même pas. Because in the good schools, parents are still paying. Dans des bonnes écoles, les parents payent toujours. As I said earlier on. Comme je l'ai dit avant. Oui. Who will the education is our priority. L'éducation est notre priorité. The first priority. La première priorité. We will build school. Nous allons construire des écoles. We will educate people. Nous allons éduquer la population. We'll do in we put here every year. Nous allons mentionner chaque année. We will alphabetize almost 2 million people. Nous allons alphabétiser à peu près 2 millions de personnes. We have said that. We will go to the good school. Nous allons aller dans les bonnes écoles. What you call here ST STEM. Scientific, engineering, math, and those we have to push our youth, some of them, that in that direction. Dans des écoles scientifiques, de polytech et maths, nous voulons vraiment promouvoir cela pour nos jeunes. We want to create the kind of, you know, center. Nous voulons créer des centres d'excellence. You know that if you don't have educated people, vous savez, si vous n'avez pas une population éduquée, you don't have a country, you cannot achieve anything. Vous ne pourrez rien faire en tant que pays. Today, you have 50% of Congolese are under 19 years old. 50% de la population congolaise est en dessous de l'âge de 19 ans. We have to invest on children. Nous devons investir dans l'éducation des enfants. It's mentioned here. Cela est mentionné. We don't have time, I can go further. Nous n'avons pas le temps, mais je pourrais dire, pour en dire plus. Thank you. Merci, Président. Encore une fois, merci, la et directement, on va prendre la prochaine personne, Kamangoko, que j'avais choisi. Allez-y, présentez-vous et posez votre question. Je me présente, je suis né Kamamoko Viana, descendant de Tsakunevunda. Born Kamamoko Viana, descendant of Tsakunevunda. 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 Et de Neve Banzinga, Alfonso Premi. Neve Banzinga, Alfonso Premi. De 202 anciens rois du Royaume Congo. 200 descendants of the king of the Congo kingdom.
OK. Je vais d'abord féliciter les présidents. I would like to congratulate first of all the president. Parce que j'ai compris qu'il a compris toute l'existence de tous les problèmes qui nous concernent. Because he's understood the existence of all the issues that are concerning us. Et il a apporté certaines solutions. He has brought some solutions. Je suis plus ou moins là pour rajouter une partie de solution. You to add part of solution pour éclairer certaines choses, to highlight or enlighten a few things, parce que j'estime que la problème le problème fondamental est le problème d'identité. Because I think the fundamental issue is the problem of identity. Et il a déjà évoqué, you already spoke to, mais je pense que le problème fondamental qui nous concerne ici, c'est le problème d'identité, parce que le peuple n'est pas au niveau de pouvoir agir en tant que peuple, mais en tant que masse populaire. Because I believe that the main issue is the issue of identity. The people are not able to act as individuals, but as a popular man. Je veux juste donner une petite illustration, comme hier, par exemple. I will give an illustration like yesterday, for example. Et c'était la journée de la vérité et de réconciliation ici au Canada. Day of truth and reconciliation here in Canada. Alors que le peuple congolais vivant au Canada, while the people, the Congolese people living in Canada, en train de subir l'esclavage et la colonisation, que vous avez parlé de la guerre de Bunagana ainsi que celui de Maindombe, subjected to slavery, as you spoke to the Bunagana war, as well as the Maindombe one. Ils ne se sont pas levés pour dire la vérité ce jour-là. They did not rise to tell the truth that day. Mais je peux vous garantir que je suis le seul Congolais. I can guarantee you I'm the only Congolese. Qui a fait la démonstration devant le statut de John Graves Simcoe? Who demonstrated before the statue of John Graves Simcoe? Qui est le père fondateur de la ville de Toronto? Who was the founding father of the city of Toronto? Et le gouverneur qui a aboli l'esclavage ici dans le Canada. And the mayor who brought an end to slavery here in Canada. Alors, Monsieur le Président, Mr. President, est-ce que vous ne pensez pas, do you not think, qu'il est important aujourd'hui, that it is important today, que ce peuple congolais qui est en train de dormir, that are asleep, sous un vaccin, under a vaccine, qui ne peut pas leur motiver de venir même à l'heure dans des réunions, which cannot motivate them to be punctual even at meetings. Qui ne peut pas être capable d'accompagner les autres qui ont de motivation et de choses qu'ils peuvent faire pour les Congos? That are unable to work together with those who have good motives and plans for Congo. Est-ce que vous pensez que ce peuple-là n'a pas besoin d'une autre motivation ou une éducation beaucoup plus approfondie? Don't you think that these people need to be to get more education? Pour regagner sa souveraineté. To reclaim their sovereignty. Je vous remercie. I thank you. Voilà, Kamamboko Vanda, mais vous avez tout dit. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps parce que vous avez tout dit. Mr. Kamamboko Vanda, you said it all. I can't take much more time. On a certainement les mêmes descendants parce que ma grand-mère s'appelait Thérèse Zinga. We probably have the same descendants because my grandmother's name was Thérèse Zinga. Et vous l'avez dit et vous avez conclu. You said it and concluded. Est-ce qu'on n'a pas besoin d'une autre motivation? Don't we need another motivation? C'est pour cela que quand le président a cité nos piliers, nous avons parlé de la citoyenneté. That's why when the president spoke to our pillars, we spoke. Cette motivation que vous demandez. The motivation you're saying. Citoyen congolais, comment défendre la citoyenneté congolaise? How to define Congolese citizenship? Avec tout ça, j'ai dit notre identité culturelle et nous. Donc, si nous regardons sérieusement, I mentioned our cultural identity. If we look at ourselves seriously, nous devons changer les paradigmes, c'est ce que vous dites. We must change the paradigm, as you said. Je ne peux pas commenter davantage parce que
Vous avez tout dit et vous avez raison. Merci. I can't comment further because you said it all and you're right. Alors, nous allons, il y a beaucoup de mains qui sont levées, mais malheureusement, nous n'avons pas le temps de donner la parole. Il y a monsieur qui a demandé avant. Attendez, il faut beaucoup de discipline. Nous avons voulu que cette réunion soit intellectuelle et académique. Voilà. Allez-y. Bonsoir. Good evening. Je suis Pasteur Ezekiel. My name is Pastor Ezekiel. Je voudrais parler un peu de, disons, ma question c'est sur la balkanisation. My question is concerning balkanization. Parce que ce n'est pas, ça n'a pas commencé aujourd'hui qu'on parle de la balkanisation dans notre pays. Because we haven't been speaking about this today. Depuis l'indépendance, since independence, on a commencé par ce mot-là de balkanisation. À l'époque, on ne disait pas balkanisation, mais c'était ça. That word balkanization was coined, but at the time we weren't using that specific term. Et chaque fois, on a toujours utilisé, on a commencé d'abord par utiliser ceux, disons nous-mêmes, les enfants du pays. So ourselves, the children of the nation, we started using. Aujourd'hui, nous parlons, le président a parlé des proxys. Today, the president spoke to the proxy. Quand nous parlons des proxys, c'est que nous sous-entendons qu'il y en a des puissances derrière. When we speak of a proxy, we understand that there are powers behind. Et le constat que je fais, c'est que nous citons les proxys et nous oublions les commanditaires. What I've noticed is that we name the proxies, but we forget those who are behind it. Quelle stratégie vous avez pour que tout le monde sache que c'est pas vraiment nous en prendre aux proxies, mais aux commanditaires? What can we do so that we can know that we should not go against the proxies, but rather the sponsors? Et juste pour compléter un peu. So, and to complete. Aujourd'hui, nous parlons des grands Bandundu, grands Kasai, grands ceci. Today we speak of great Bandundu, Kasai, and so forth. Mais je crois que le politique congolais a aussi une charge dans cette balkanisation. Pourquoi? Parce que nous avons laissé Rubeirua démembrer le pays. Aujourd'hui, nous sommes des petites provinces et l'unité n'est plus dans le pays et c'est déjà la balkanisation. And so I believe that the political parties have a role to play because we allowed Rubeirua to cut off to split the nation, and this is balkanization. Comptez-vous garder ces provincettes ou vous allez faire comme l'a fait celui que vous aimez beaucoup, Mobutu? Are you going to leave these small provinces or will you do what Mobutu did, as you like him? Merci beaucoup. Thank you very much. Oui, pasteur. Pasteur. Oui, la balkanisation, vous le dites si bien, ça a commencé depuis notre indépendance. As you mentioned, balkanization began since our independence. Lumumba en a parlé. Lumumba spoke about it. Et vous savez comment il prononçait ces mots-là, balkanisation. You know how he pronounced that word, balkanization. Mobutu en a parlé. Mobutu spoke to it. Et si vous lisez le point 3 du manifeste de la cohésion nationale, if you read point 3 of the manifest national cohesion, il y a un paragraphe qui dit ceci, je cite, there is a paragraph which mentions, en effet, à la veille de l'indépendance, at the wake of the independence, les Belges avaient utilisé la stratégie de diviser pour mieux régner. The Belgians used the strategy to divide in order to reign well. En instrumentalisant certaines ethnies afin de les opposer les unes contre les autres. By instrumentalizing some ethnicities in order to turn them against each other. Ils sont allés plus loin en provoquant des sécessions. They went even further in provoking secessions. Sécession katangaise et sécession sud-kasai. Katanga and sud-kasai secessions. Les Emma et les Lendu en Ituri ont été victimes de la même stratégie. Emma and Lendu in Ituri were victims of the same strategy. Vers les années 1990, around the year 1990, les Rwanda et l'Ouganda ont créé en RDC des milices locales. Rwanda and Uganda created local missiles. En plus de celles importées de chez eux. And as well as those that were imported. On peut continuer, mais je m'arrête là. I can continue, but I stop here. Donc, la balkanisation, ça nous a été imposé et ça continue d'être
imposée. Ne vous dites que nous citons les proxys, mais nous ne citons pas les commanditaires. So, balkanization has been imposed upon us, but you say that we mention the proxies and not the sponsors. Vous savez, moi je ne veux pas aller faire la guerre à des gens que je ne connais pas. I cannot fight against those I don't know. Parce que ces commanditaires se cachent derrière les proxys. Because they're hiding, those sponsors are hiding behind the proxies. Mais je connais le Rwanda, je connais l'Ouganda, je connais le Burundi. I know Rwanda, I know Uganda, I know Burundi. Je leur dis, arrêtez. I tell them to stop. Et s'il y a des commanditaires, si eux déjà s'arrêtent, ils disent non à ces gens-là, ils vont s'arrêter. And if they as proxies can tell the sponsors no, they will stop. Et je l'ai dit, pasteur. I said it, pastor. Ces gens qui veulent déstabiliser notre pays. The people who want to destabilize our country. Ils n'arriveront pas. They will not win. Nous sommes 110 millions aujourd'hui. We are 110 million today. J'ai dit 8 à 10 millions de Congolais vivent à l'étranger. I said 8 to 10 million live outside of the country. Tous ces enfants que vous voyez ici. All the children you see here. Ils pensent au Congo. They think of Congo. Est-ce qu'ils vont laisser le Congo, même si demain les gens pensent le balkaniser, même s'ils prennent quelques portions, ben ils ne prendront pas. Même s'ils le balkanisent économiquement, est-ce que nos enfants demain vont le laisser? Will our children leave the Congo behind in the hands of those who want to take part of it or those who want to balkanize it? They won't be able to. C'est pour ça que quand je vois les gens des gouvernements occidentaux, je leur dis, écoutez, dites au Rwanda d'arrêter son aventure parce que ça n'ira pas loin. And that's why when I meet leaders in the Western world, I ask them to tell Rwanda to stop their adventure because they will not go far. Comptez-vous garder les provinces? Do I aim to keep those small provinces? C'est malheureux. J'ai combattu cette affaire. It's sad because I fought against this issue. L'Équateur est divisé aujourd'hui en 5 provinces. Et vous l'appelez province 7. Je suis d'accord avec vous. Equator is divided into 5 small provinces today. Dans certaines provinces, si vous allez à la province de la Mongala, à la province de la Chouapa, j'ai été là-bas dernièrement, il y a des provinces où il n'y a pas une seule route asphaltée. À Bouéndé, il n'y a pas une seule route asphaltée, c'est la capitale d'une province. And in some provinces, if you go, there are no paved roads. It is the capital, meanwhile, it's the capital of a province. Je suis d'accord avec vous. Vous savez pourquoi M. Kabila a fait ça? Do you know why Mr. Kabila did this? Il a fait ça pour nous distancer, fissurer cette cohésion nationale. He did this to distance us and also to bring a fissure in this national cohesion. Pour que les gens disent que non, yoza Ngwandi, yoza Ngwaka, yoza Mbuza, yoza Libinza, nganaza Mongo et tout ça. So that people can distinguish themselves based on their different ethnicities. Les Mongos sont divisés dans 3 provinces. The Mongos are divided in 3 provinces. Pas sérieux? Serious. Donc, ça, c'est un piège. That's a trap. Et j'ai dit aux gens que, même si c'est dans la Constitution, on a c'est passé dans la Constitution, mais pour arriver à ça, il y a des prérequis. And I tell people, even though it's mentioned in the Constitution, but before we got there, there were prerequisites. On ne pouvait pas les faire comme ça, d'emblée, en une fois, 26 provinces. On a bien commencé les Kivu, en divisant les Kivu, les grands Kivu, en 3 provinces, mais petit à petit. It wasn't done just like that. They began with dividing the Great Kivu province into 3 parts. Maintenant, la votre question, est-ce que je vais revenir aux provinces, aux provinces, aux 10 provinces plus 1 Kinshasa, 11? So, your question is, will I come back to the 10 provinces plus Kinshasa, 11? Ça, c'est le peuple qui est souverain. For that, the people are sovereign. Nous allons engager des discussions. We will have discussions. Si on a un développement. And think about development. Si nous avons des grandes, comment dire, et le peuple voit, et c'est le peuple au peuple de décider. If the people decide to do so, the people must decide. Mais nous allons engager des discussions. But we will undertake discussions. Mais aujourd'hui, ce n'est pas une priorité parce que nous pouvons, vous pouvez avoir ces entités là, mais nous pouvons acter comme un seul homme. Today is not a priority because you can still have those
small provinces, but nous pouvons acter comme une seule province qui est le Congo, Congo et Kolomoko. We can act as one single province, which is Congo, a single state. Merci. Thank you. Voilà mon ami, vous pouvez prendre la parole. Vous pouvez utiliser le micro pour... On a parlé du pays. See the emblem first. On ne voit pas aussi le territoire. We don't see the territory. Mais on voit les humains qui y habitent. But we see the people that live there. Les gens dotés des émotions et des sentiments. People who have emotions and feelings. Des êtres humains. Human beings. Voilà. Et que par rapport à la situation du Congo. Concerning the situation in Congo, je pense que la situation est vraiment plus que trop critique encore. I believe that it's even more critical. On est tout le temps en insécurité. We're always feeling insecure. On est tout le temps en danger. Always feeling in danger. Soit on peut mourir à partir des épaves qui circulent des transportations. Either you can die by the trucks that travel on the roads. Ou bien vous pouvez mourir par des canalisations électriques qui défont surface sous la pluie. Or the electrical circuits that are going through even in the rain. Or vous pouvez mourir dans le volant disputant votre volant pour l'argent que vous devez prendre un agent de l'État. Or you can die because you're discussing with a police officer because they want to take money from you. Ou bien vous pouvez être tué par des gangsters qui essaient de recourir à leur instinct de survie pour protéger leur estomac. You can die in the hands of gangsters because they're trying to make a living out of it. Et il y a des vagabonds, des milliers de gens qui sont en prison, qui ont été arrêtés uniquement parce qu'ils n'ont pas de famille et sont des vagabonds. And there are vagabonds that have been arrested because they don't have families. Et aussi, je profite pour signaler. And I would like to highlight. Quand on parle de jeunes hommes hostiles, anti-Kabila, anti-Félix Tshisekedi, c'est de nous autres dont on parle. When they speak of young men who are hostile, anti-Kabila, anti-Félix, it's of us that they're speaking of. Ok, bah, puisque nous savons qu'il y a Monsieur Martin, Papa Fayoul, vous savez plus que trop bien que moi qu'il y a que trois seules façons de prendre le pouvoir dans un pays. You know, Papa Martin Fayoulou, that there are three ways to take power in a nation. Il y a le coup d'État. There is a coup. Il y a les élections. The elections. Et il y a la façon dont Monsieur le Président Félix Tshisekedi a eu son pouvoir. And the way Mr. Félix Tshisekedi obtained power. Et c'est la même façon parce qu'il n'est pas le premier à faire ça. C'est la même façon que Vladimir Poutine est habitué à faire avec Monsieur Dmitry Medvedev. And he's not the first as other Vladimir Putin, for example. Ou pour ne pas vraiment contenir le temps de son excellence, j'aimerais dire que on a tous été témoins parce que j'étais à Kinshasa. I would like to say that we've all been witnesses because I was in Kinshasa. Par rapport aux élections passées. Concerning the last elections. Et que je pense qu'en 2023. And I believe that in 2023. Si vous continuez de croire toujours aux élections crédibles, c'est un non-assistance en personne à danger venant de votre part. If you believe that there will be credible elections, it's as if you're not assisting a person in danger. Puisque nous savons tous que ce groupe de gangsters, de bandits, Monsieur Félix Tshisekedi et Monsieur Joseph Kabila ne vous accorderont jamais le pouvoir. Because we know that this group of gangsters, Félix Tshisekedi and Mr. Joseph Kabila, will never grant you power. Même si nous regagnons les élections. Even if we re-win the elections. Je vais me limiter là pour vous faire une proposition. I will stop here by proposing something. Pourquoi ne nous battons-nous pas? Pourquoi, avec vos possibilités, ne distribuons-nous pas des armes artisanales, puisqu'il s'agit de la vie des gens? Why don't we win or with your resources use artisanal weapons? Je vais vous dire une chose vraie. I will tell you something that's true. La majorité des Congolais qui vivent au Canada, most Congolese who live in Canada, n'ont pas les mêmes vies que ceux qui sont au Congo pensent que nous avons. Don't have the lives that those who live in Congo think that we have. Ici, le diaspora canadien, comme dans tous les autres pays du monde, the Congolese diaspora, as in other countries in the world, nous avons perdu notre valeur. We've lost our value. Nous avons perdu notre dignité. As well as our dignity. On n'est plus respecté en étant Congolais. And we're no longer respected as Congolese. Il n'y a plus d'honneur à être Congolais. There's no honor in being Congolese. Il n'y a plus de fierté à être Congolais. There's no pride in being Congolese. Pensez-vous toujours
aux élections crédibles pour les élections 2023, M. Martin. Are you still expecting credible elections for 2023? Merci, si vous pouvez réagir à ça. Votre nom, jeune homme, votre nom. Je m'appelle Xavier Robert. Mais je crois que vous avez beaucoup dit. Ça se passe sans commentaire. Mais simplement, je me limite, il y a un peu de limite comment je pourrais poser cette question. Je ne peux pas poser des questions. D'abord, la proposition. First, your suggestion. Pourquoi ne vous distribuez pas des armes artisanales? Why don't you distribute artisanal weapons? C'est-à-dire pour aller se battre. To fight. Bon, vous savez, moi j'ai fait des choses que je maîtrise. See, I do things that I master. Je ne peux pas maîtriser cette affaire de subir les armes. D'abord, je ne sais pas où on les achète. I cannot do this because I don't even know where to purchase these weapons. Et ce n'est pas. Moi, j'ai choisi la voie de la Constitution. I've chosen the constitutional way. Je sais. Ce que vous dites, vous êtes la voix de beaucoup de frères et sœurs qui vivent dans la diaspora. I know that you represent the voice of many brothers and sisters living in the diaspora. Et qui pense que les élections ne mènent à rien. And who think that the elections will bring nowhere. Mais moi, je peux vous dire, si nous tous, nous travaillons pour que les élections soient impartiales, crédibles, nous arriverons. And if I tell you that if we all work together so that the elections be impartial and credible, we will win. En 2018, on a travaillé dans ce sens-là. In 2018, we worked towards that. J'ai eu 62,11%. I obtained 62.11%. Kabila n'avait pas d'autre choix que de faire fabriquer des chiffres par M. Nanga. Kabila had no other choice but to make up numbers through Mr. Nanga. Si M. Tshisekedi, qui est mon frère, qui est avec moi, qui est avec nous dans la Moka, ne lui avait pas donné cette chance-là, il n'aurait pas eu cette chance. If Mr. Tshisekedi, who was with us in la Moka, did not give him the opportunity, he wouldn't have done so. Oui, c'est les élections nous ont amené à la victoire, mais c'est un frère qui a trahi. The election brought us the victory, but we were betrayed by our own brother. Donc, je pense aux élections. So I think about the elections. Mais travaillons pour que ces élections-là, à la fin, qu'on puisse préserver les résultats du peuple. But let's work so that the people's results will be preserved. On pourra épiloguer davantage cette question. Même en aparté, on pourra dire, mais je pense aujourd'hui, pour moi, et vous avez très bien dit qu'il y a trois moyens. Avant, je pensais qu'il y avait deux moyens, mais merci. Je pensais qu'il y avait les élections et les coups d'État, mais vous avez ajouté un autre moyen. Félicitations, il faut dire bravo. So we can speak even after individually, but we can speak about this further, but thank you for mentioning the three donc, ways to win the election. C'est une variante de coup d'État. It's a variant of a coup. Les coups, donc quelqu'un il fabrique les chiffres à sa someone façon. Someone makes up the numbers in their own way. Voilà, et vous avez fait le commentaire. Sinon, moi, j'ai il faut continuer à réfléchir, continuer à discuter, keep, à faire keep, ce... keep discussing. À faire ce qu'on appelle les focus groups. And to have focus groups. Et j'ai décidé d'avoir régulièrement et comment dire. Et mademoiselle Mulatrice l'a dit, j'ai une réunion à peu près avec 50 jeunes avec Zoom, mais très régulièrement, je vais avoir des réunions avec des jeunes surtout, même les adultes séparément, pour qu'on puisse discuter et recevoir ce que vous avez, essayer, comme on dit en français, des chocs des idées, jaillir la lumière. Il n'y a pas de mauvaises idées, il n'y a pas des idées bêtes, mais il faut que chacun mette ses idées sur la table, les défende. Et puis, on verra quelle sera la conclusion ou les conclusions auxquelles nous arriverons. Merci. I already meet with youth via Zoom, but I will continue to meet with the youth and even adults in order so that our ideas will bring brightness and will put everything on the table to reach favorable conclusions. Voilà. Merci beaucoup à tout le monde. Nous allons, les cinq dernières minutes qui nous restent, nous allons
octroyer la parole au président pour nous dire le mot de la fin. Et c'est encore une fois de plus une raison pour dire aux gens de venir à Nantes. Le président était ici. J'avais même appelé son équipe pour retarder son arrivée parce que les gens arrivaient timidement. Nous avons toujours l'habitude de venir à la fin des réunions. Et si nous voulons vraiment bâtir une bonne citoyenneté, nous devons venir à temps et être responsables de nos propres retards. C'est très important. Il faut intérioriser ce que le président est en train de nous dire. Ce n'est pas simplement en disant, mais c'est en faisant que nous allons bâtir une société nouvelle. Alors nous allons très heureusement donner la parole au président pour nous introduire avec son mot de la fin. Sûrement le président a tout entendu. On ne sait pas ce qui ça sert à ce mot de la fin, mais il a le luxe de nous parler. Voilà, mes chers frères et sœurs, très bonne discussion. J'ai beaucoup aimé la qualité des questions. Je suis j'ai été subjugué par vos questions et votre participation. Nous, ce que je peux dire, tout l'amouka, biso nyonso, biso banso, tout le balinga la malama. On doit se réveiller, on ne peut pas laisser les pays comme ça aller à volo. On ne peut pas laisser les pays entre les mains de M. Kagame. On ne peut pas laisser les Congos aller dans la communauté de l'Afrique de l'Est. Nous n'avons pas vocation Afrique de l'Est. Nous devons nous réveiller. Le seul mot, réveillons-nous, participons à la matérialisation de cette vision. Un Congo libre, fort, digne et prospère. C'est le devoir de nous tous. Nous avons ce devoir-là. L'article 63 de la Constitution nous dit, nous donne un devoir sacré de défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Et donc, si vous êtes d'accord avec tout ce que j'ai dit, engageons-nous. Nous sommes indignés. Quand on s'indigne, on reste indigné. On s'indigne, après on s'engage. Comment vous vous engagez? Tout le monde ne s'engage pas de la même façon. Chacun doit définir comment il doit s'engager. Quel est le mode d'intervention pour que le Congo soit libéré des griffes de nos ennemis? Je crois, moi, qu'on arrive là. Et je termine en disant que nous avons mis ces manifestes. J'en ai plus beaucoup, j'ai que 7 copies. Et cette copie, on va les vendre aux enchères. Pas les enchères des 23 blocs pétroliers du Congo, mais ces enchères pour nous permettre, les gens achetés à Washington, les gens achetés à Ottawa, ça nous permet de publier une grande quantité pour donner à tous les Congolais, ceux qui ne peuvent pas payer. Les prix de départ, minimum, c'est 150. Mais celui qui commence plus, il prend et puis on continue à baisser et les gens prennent $150 canadiens. Chers frères, nous devons aimer notre pays. Dieu nous a donné ce pays. Et ce pays, c'est nous. Sinon, pour ceux qui croient, quand on va rentrer, il va nous dire, est-ce que vous saviez, vous connaissez les paraboles des talents? Je vous ai donné ce pays avec tout. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait avec le Congo, tous les minéraux, le sol, le sous-sol, l'eau, la forêt? Qu'avez-vous fait de ça? Et c'est l'interpellation du cardinal Mosengo à la conférence nationale souveraine. Qu'avez-vous fait? L'Afrique va nous poser la question. Le monde va nous poser la question et Dieu nous posera cette question. Je dis et je vous remercie. Soyez bénis. Voilà. Qui...
Voilà, allez-y, président, vous avez... Non, non, mais ceux qui veulent, qui lève le doigt, qui prend. Si vous voulez prendre un livre... Voilà, madame pour, là-bas. Madame... Robert, est-ce qu'on peut... Ou bien madame, maman... Les personnes qui veulent prendre le livre... Il y a madame. Madame, vous appelez comment? Yolande. Madame Yolande. Vous pouvez couper la retransmission à partir de ce moment. Voilà. Qui d'autre? Voilà, il y a un, il reste six. Madame, comment... Voilà, 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 voilà. Donc, c'est la fin de cette conférence avec Monsieur Martin Fayoulou Madidi. Donc, voilà. Et nous avons pu vous faire vivre ça en direct sur Télé Tchangou, bien entendu. Et la suite, ça sera donc à Montréal, où nous allons nous retrouver demain à partir des 17h. Et donc, voilà. Merci. Maintenant, c'est, on va essayer un peu de pouvoir en aparté, échanger un tout petit peu. Donc voilà, les gens de Toronto sont arrivés. La conférence a commencé avec un petit retard. Excusez-nous aussi pour le petit pépin technique que nous avons eu. Na monaguer mon son et tout ça a bien été. Apparemment, il y a paramètres Mogala qui touché et ça avec Mignon surtout et ça est Bongo bien été. Mais la Sukanango, on a tout réglé. Vous avez pu suivre la conférence. Connexion P, ça est et tout. Ça me mais en réalité, apparemment, chaque heure, il faut écata. Après, il faut se reconnecter. Voilà. Merci en tout cas à Vinoban Soto, Peace and Love, frères et sœurs, depuis Toronto, pour Télé Tchangou, Fabien Noir, Kouswanika, Wabuka Kabakata, Kapungwa Mdeli, Mialaya Kongunga, Koputu. Merci et à tout à l'heure. Je demande à tous les membres du comité de se mettre debout pour saluer en public votre. Et je prends aussi, merci beaucoup, je profite aussi de l'occasion pour remercier notre président de la communauté congolaise de Toronto, M. Jean-Paul Edikaï. Merci à tous ceux qui sont venus et merci monsieur. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci, c'était brillant, votre une grande interprétation. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est donc la fin de cette conférence de presse. Maintenant, on peut dire, je salue le professeur Nikes Lola. Voilà, on peut maintenant dire que c'est la fin de cette conférence de presse. Et donc, voilà, c'est les petits, les derniers communiqués. Hein, donc, voilà, comme je le disais, finalement, Esili, Awa, Ponalelo. Lobby, toujours avec M. Martin Fayoulou Tokozala Bongo à Montréal à partir de 17h. Adresse, Isalina, Naïvite Founabenga, peut-être maman, parmi les organisateurs, on va repérer sa bonne adresse. Et Toko Kendeguna Tokozala pour vous faire vivre mon débat de qualité. Bon, Télé Tchang, son rôle, c'est justement de pouvoir vous proposer cette information et ainsi de suite. Voilà, c'est quoi l'hymne national. Longtemps courbé, et pour des beaux prénoms, le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent, par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyen. Entonner l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de notre souveraineté,
Congo, don béni Congo, des aïeux Congo, ô pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin, ô doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté. Que nous léguons à notre postérité pour toujours. Voilà, merci à tous, merci. Merci, voilà, c'était donc Fabien Bouswani depuis Toronto. Rendez-vous demain à Montréal, toujours dans le cadre des conférences de Martin Fayoulou. Voilà, bye bye. Comme toujours, Tala Woutseki, Kolombo Fila Wukil. Voilà. Voilà. Apparemment, tout ça, il y a moins problème. Il y a moins son place wana. Capitaine, bien, on va continuer, mais c'est quoi, tu bon ici en fait.
Au lobby. Donc, je disais que... Ok, ça va, il n'y a pas de problème. Donc, je disais que Negonanga Oyoye m'a sauvé direct à l'élo parce que ce gars-là qui était, il est à moi compliqué. Donc, quand moi, Domino Moko, il y a un fiche, il y a un koto, il y a un bossanaki, merci en tout cas, Nego Rolin. Rolin quoi quoi. Donc, voilà, c'est ça, la ma compatriote, c'est ça, ma congolais de l'Inaga. Moi, il y a Zali, donc voilà. Ok, merci, merci Negonanga. Kitoko. Ok. Oui, maman. C'est vrai, on boit Kinga. Ok. Voilà. Ah, merci, merci, ça n'a pas de tout ça. Ouais, ouais. Comme je disais, donc. Généralement, on a dit WhatsApp, je sais que tu le sais beaucoup. Ah, voilà. Je suis en train de d'écrire un article. Ok. Sur toi. Sur moi? Oui. Ok, d'accord. Alors, je t'enverrai les détails. Merci, mais ça sera un plaisir. On a YouTube. Ok. D'accord. Merci. Ah, Yaga. Ok. Non, je vois ta photo. Non, là, c'est moi, c'est dans la entière. Ah, on va dans la année prochaine. T'as là, vous m'en bats. L'année prochaine, on va contacter. Non, au fond, cabinet, non, ça, le gouvernement, l'année procureur. Ok. L'année prochaine, on va. Ma photo, vous quand elle a repos lumière, réseau ou ta photo. Oh, mon cher Eddie Bossinga, comment ça va? Ça va très, très bien. Ça marche. Oui, oui, oui. Voilà, voilà. Voilà, aussi, madame, on va photo. Ah, comment tu m'as dit? Ah, madame, sur la famille, il y a Tala Kounchek qui est madame. Je ne sais pas. Ok, d'accord. Je sais, il y a aucun rien à foutre. Oui, ça va, on va. Ça va, monsieur. Ensemble, monsieur. Ah, ok. Mais aux uns l'adresse. Non, il y a un article qui est l'adresse. Maman n'a pas. Bon, je vais prendre ça chez Robert, ça ne dérange pas. Ok, il n'y a pas de problème. On va voir. Ce que tu fais là pour le pays. Merci. Vous avez. Bonjour madame. Bon, pas bien. Ok, ok. Bon, tu sois les na vieux. Nikes. Ok. Bus ton sol, na yokuna, na voyeb, c'est ce que nous allons faire, ok? Ok, d'accord. On les a massés, ton sol, un petit peu. Oui, il n'y a pas de problème. Vous avez là, vous maman pour lumière, réseau ou ta côté. Oui, oui. Mon qui est un docteur Kaseka. Ok. Ouais, ouais, ouais. Merci. Donc à tout à l'heure. À tout à l'heure, on va se revoir là-bas. Non, tout à l'heure. Bon, ben on va voir, il n'y a pas de problème. Hein. On va se voir. Ça va, mon ami? Ça va? Merci. Mon ami, mon collègue, nous tirons avec un homme, nous salons, nous appelons d'or, c'était à. C'était on a eu qu'il n'avait pas la bino. Merci. Merci. C'est vrai, à mon ami, parce que ma camouille est qui m'a ébélé. Ma camouille est qui m'a ébélé. Prézo! Yara. Alors, Naïna a présenté Mino, Tata Oyo, Yara. Bomoni Oyo. Oyo, Tata Baba na classe Nabiso, Yesko promotion Liboso, on a président Yabiso étudiant, il y a Naïna à Toronto, donc, Kouilou Mondo, Lakisa moi na classe Nabino. Na Lakisa moi na classe Nabiso, non, Sénégalais, mon gobo, na bosana bout de combo na. Ah, voilà Rabino de. Oh. Donc, candidat père, pour Bandera Toronto, tout football voté. Donc, représentant valable à niveau il y a communauté Nabiso Koto. Donc voilà. Kitoko. Ok, Fabien. Oui, ah, photo. Ok, ça va. Ça n'a sous problème. T'es normal, ça n'a pas. Merci. Merci beaucoup. J'espère que ça vient. Ouais. Lumière, réseau, bimé la côte. Pour... Donc, tout est ça, voilà. Ok, ça va. Binombalé. Voilà ton téléphone, Yayo. Oh, ok, et puis tu m'envoies ça. Yo va présenter au courant. C'est là. Donc. Oh!
Le destin est là, on va tout passer là ensemble. C'est vrai, hein? Mais ce qu'il fait là, ici, c'est pas du bricolage. Abanagi a un petit. Merci. Quand on était étudiant, oui, bien il sûr. Avait son journal. Oh, un journal et manuscrit, en manuscrit en plus. Oui, oui. Ouais. Olivier Bolia. C'est bon. Prends-moi, tu m'as envoyé. Ça va. Ouais, allez-y. Ah, je vais t'envoyer avec. Ouais, tu m'envoies ou bien ma maman Magui aussi, il n'y a pas de problème. Tu papa, tu... Attendez. On va faire ça quand même. Oui. Vas-y. Oui. Ça va? Oui, ça va. On va prendre comme ça. Merci, mon frère. Okay. Merci. Ouais. Merci, Olivier. À toi. Mais il faut que vous fassiez ça, vous avez fait ça, Simba, soit qu'il te fait ça, vient. On a la vidéo, il y a Oh, pardon, la vidéo. C'est ça, mon d'accord. Le bang, on a autre. Non, non, c'est là. Non, 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 non. Bien sûr, madame. Avec Omega aussi. Ok. Abalouki. Abalouki. Bon, merci. Appuyez quelqu'un. Talagoumamba. Tu parles avec le mari de maman Magui. Merci. C'est moi qui... Madame. Oui, on prend une photo, c'est Jean-Médard et moi Yolande. Ok, enchanté. Les enfants ont dit de prendre une photo. C'est avec vrai, hein. Oui. Oh, il y a salué nous nos enfants. On peut demander. Ah, oui. Comment ça va, le séjour? Ça va, on se bat, un peu fatigué, mais... Oui, ça se voit, oui. Bon. Merci beaucoup. Merci madame, merci. Bah, il faut que je commence à emballer le matos. S'il vous plaît. Allons prendre les photos en bas. Attention, s'il vous plaît. On peut déjà commencer à sortir, s'il vous plaît. S'il vous plaît.